l'est à ça qu'elle ressemble. Tu veux que je te dise, toi? Tu me plais. Comment tu t'appelles? Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes. Comment au village des hommes? Ils vont le gâcher. Ils vont faire de lui un homme. Oh, Balou, je veux rester ici avec toi. Ouais, tu parles que tu restes. Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre? De quelle façon il va survivre? Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle façon je... Il est avec moi, n'est-ce pas? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Eh bien, oh, ça sera vite fait. Écoute. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Aïe. Mais c'est tout un drame. Si c'est un cactus, si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Oui, merci Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Passez votre esprit tous vos soucis. Youpi! Prenez la vie du bon côté, priez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Ouais! Et vous serez un ours très bien léché. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi.